Parler du premier homme, ça n'est pas simple, parce que c'est peut-être, c'est sûrement l'œuvre de Camus que je connais le mieux, parce que pour des besoins de publication, je dirais que j'ai vécu avec ce roman et avec des photocopies de son manuscrit pendant deux ans. Et du coup, ça rend extrêmement difficile d'en parler. Alors, je vais commencer par vous raconter l'histoire étonnante de ce livre. Vous savez, j'aime bien toujours restituer les contextes. Et c'est bien sûr un manuscrit dont l'histoire est étonnante. Alors je prends ce détour et puis bien sûr nous entrerons dans ce livre, mais euh, je pense que plus encore que pour d'autres, mon rôle va être simplement de, de vous amener jusqu'au bord du livre et après euh, il vous prendra lui le livre lui-même. Alors l'histoire commence, on pense vers 1953. Camus a donc déjà derrière lui une, une œuvre importante. Il sort de la publication de La peste du point de vue du roman. Il a publié L'homme révolté et vécu une, une querelle, plus qu'une querelle, une cabale extrêmement douloureuse. Et il semblerait que le livre naisse en 1953, c'est les carnets qui le disent. Et un signe peut-être dans le livre, euh, le second chapitre fait un saut de 40 ans par rapport au premier. Alors dans le premier, on nous a dit qu'on était en 1913, un petit bébé né. Et puis, on dit 40 ans après. 40 ans après, c'est 1953. Comme si euh, Camus avait voulu euh, inscrire dans le texte du livre euh, un peu la date de sa naissance. En tout cas, c'est dans les carnets le moment où ce titre est trouvé, le premier homme. Camus accumule des matériaux. Manifestement, il écrit, il écrit, il écrit. Il détruit, il détruit, il détruit parce qu'il n'est pas content. Euh, il lit. Il accumule de la documentation. Euh, ses lettres sont pleines de ses doutes sur sa vocation de romancier. Et beaucoup pensent qu'il a renoncé à l'écriture. Alors, bien sûr, on sait, je vous en ai parlé il y a quinze jours, qu'il écrit et il le publie. L'exil et le royaume, mais euh, peu de gens savent euh, qu'il est en train d'essayer autre chose. 1957, il a euh, le prix Nobel. 1958, euh, mais il n'avance pas sur le premier homme. Il en parle un peu, euh, mais manifestement, il piétine. Et puis, 1958, il sort de cette espèce de dépression profonde que les réactions violentes aussi au prix Nobel euh, ont suscité. Et avec une partie de l'argent du Nobel, une partie va aux anarchistes espagnols. Mais avec une autre partie, il achète Lourmarin. Cette maison euh, dont il rêve depuis longtemps est dans ce luberon qu'il connaît depuis longtemps et où il a cherché une maison longtemps aussi. Et c'est là, à Lourmarin, qu'il séjourne le plus longtemps possible entre la mi-58 et la fin 59, ça ne fait pas beaucoup, hein. un an et demi, euh, et où il écrit, et alors là, il écrit et il avance. Mais avant même de parler du livre, je voudrais vous lire quelques phrases extraites de ses correspondances de l'époque qui montrent bien euh, les alternances par lesquelles il passe. Par exemple, en mai 59, dans ses carnets, Travail repris. Et avancer dans première partie, premier homme. Reconnaissance à ce pays, à sa solitude, à sa beauté. En novembre 59, je ne sais quand je reviendrai (sous-entendu à Paris). Il faut que j'en finisse avec le premier jet de mon énorme histoire, et j'en suis loin. Mais il n'y a qu'ici que je puisse travailler. Cette solitude est insupportable et j'en crève. Mais on ne travaille vraiment qu'en crevant. J'ai huit mois pour en finir avant de revenir au théâtre, huit mois seulement. Moralité, je tiendrai le plus longtemps possible. Nous sommes en novembre 59, donc il meurt euh, quelques semaines après. Euh, mais vous voyez qu'il il pense que pour un premier G, il en a encore pour huit mois. Ce que nous avons du premier homme, c'est sans doute à peine le tiers, peut-être même le quart de ce qu'il prévoyait. Et puis une lettre aussi que j'aime beaucoup en novembre. C'est pas que je sois content de ce que je fais, surtout. Je perds le cœur devant l'énormité de ce que j'ai à débroussailler. Je me dis que c'est impossible, que je n'écris que des conneries, que je bafouille. Je pleure après un peu de génie, un tout petit peu qui me ferait au moins travailler dans l'allégresse, au lieu de cette interminable maladie. Et pour finir, je continue. Donc, euh, vous voyez un manuscrit euh, pas facile. On a dit à plusieurs reprises, manuscrit écrit d'un seul jet, euh, extraordinaire. D'abord, ce n'est pas vrai. Pour avoir vécu, je vous le dis, avec la photocopie de ce manuscrit euh, pendant longtemps, je vous assure qu'il y a beaucoup de ratures. Mais surtout, ça n'est pas facile. Donc on peut penser qu'à côté de ce cahier, il est en train euh, aussi de euh, mettre, d'écrire de mettre, euh, euh, aussi des projets, des plans, etc. Très émouvant, il pose sa plume ce sont les vacances scolaires. Euh, ses enfants et sa femme descendent à Lourmarin pour passer Noël et le Nouvel An, et il remonte en voiture avec, je vais en reparler, tout le travail pour le continuer à Paris. Et c'est avec le manuscrit dans la sacoche qu'il porte sur lui euh, qu'il est tué dans l'accident de voiture sur la route de Lyon le 4 janvier 1960. Donc dans cette euh, sacoche il y a le manuscrit et un carnet d'accompagnement. Mais dans ce qu'il a envoyé dans une malle à Paris par le train, il y a tous les dossiers d'accompagnement. Et maintenant, l'ensemble a été publié dans euh, la récente édition de la Pléiade. Alors, vous allez me dire, mais 1960, pourquoi ce livre Le manuscrit était là. Ne paraît qu'en 1994. 34 ans, c'est beaucoup. À la mort de Camus, Francine Camus, sa femme, fait d'actylographier le manuscrit. Et elle le soumet aux amis les plus proches de Camus, une dizaine, en leur disant, je publie, je ne publie pas. Et on a les réponses de ces euh, amis, dont euh, une partie est contre la publication pour deux raisons. D'une part, pour des raisons internes. Ils disent, Camus n'aurait jamais accepté que l'on fasse paraître quelque chose qu'il n'est pas peaufiné jusqu'au bout, sans compter qu'il aurait certainement gommé un certain nombre des aspects les plus personnels. Les autres euh, arguments sont des arguments politiques. On est en pleine guerre d'Algérie, hein, 4 janvier 1960, et euh, ce roman, j'en avais parlé dans euh, la présentation que j'avais faite de Camus et l'Algérie. Ce roman est aussi un roman politique qui parle de la guerre d'Algérie et donc ces amis-là disent euh, Ça va être lu uniquement à travers le prisme de la guerre d'Algérie. D'autres sont pour la publication en disant C'est un texte magnifique, il faut le publier. Francine se range à l'avis des plus nombreux et ne le publie pas. Quand elle meurt dans les années 70, en 75 je crois, sa fille reprend la suite, et elle préfère publier d'abord la suite des carnets. Et c'est simplement au début des années 80, au milieu des années 80, qu'elle reprend le manuscrit, qu'elle le retranscrit complètement elle-même, euh, parce qu'elle elle veut s'assurer que l'on n'a pas euh, trahi. Et il y a encore des mots qui lui restent illisibles, mais elle met très longtemps, et elle publie donc en 1994 dans l'édition qu'un certain nombre ont en main, euh, l'édition Gallimard, donc dans la série Kayel berkamu et quelques années après, ça sort en édition Folio. Dans la publication des œuvres complètes dans le tome 4 de la Pléiade, bien sûr, c'est le même texte, sauf qu'avec Catherine, nous avons réussi encore à lire deux mots, avec toute certitude. Là où nous n'étions pas sûrs, nous avons laissé illisible. Et puis, au annexes de euh, la première édition, nous en avons ajouté d'autres, c'est-à-dire tout ce qui n'avait pas été déchiffré pour la première, c'était, je décrirai tout à l'heure, euh, ce qui était dans la malle et non pas dans la sacoche. Donc, euh, tout cela nous amène à 94. Le roman est publié, Gallimard pense que ce sera un succès moyen. C'est un succès fantastique. Je veux dire, ils sont obligés, euh, en quelques jours, de refaire plusieurs éditions. Euh, dans les trois semaines, il y a déjà une bonne dizaine de demandes d'autorisation de traduction et euh, des réactions euh, positives, très positives de la presse et surtout du public. Le public, euh, pour des raisons extrêmement diverses, euh, j'ai eu accès aux lettres que des lecteurs avaient envoyées à Catherine Camus pour la remercier. Et euh, c'était très étonnant la diversité, mais tous disaient ce livre m'a parlé à moi. Ce livre, euh, il, il, a touché des cordes très profondes en moi. Les uns c'était euh, pour telle figure familiale, les autres c'était à cause de l'école, les autres c'était à cause de l'Algérie et les autres. Et c'était extraordinaire comment euh, tout le monde sentait une proximité par un biais ou par un autre avec ce livre et euh, ça correspondait à l'impression que j'ai eue en le lisant en 1994. Le succès depuis ne se dément pas et, comme cela arrive souvent, je pense que en France la sortie du film va ramener les gens vers le livre. Je lisais que c'était le cas très souvent euh, que le livre est lu quand le film arrive et je pense que là euh, le livre, euh, le film va renvoyer aussi les gens vers le livre. Alors nous avions donc euh, Puisque c'est ce roman inachevé, 144 feuillets d'un manuscrit, des carnets et puis des dossiers, euh, avec la documentation qu'il avait accumulée. Et si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller regarder dans euh, la Pléiade, pour le moment ça n'est sorti que là, ces éléments pour le premier homme, parce qu'il y a en particulier une chemise qui s'intitule Le bûcher. Et avec en sous-titre Jessica ou Vera. C'était le nom qu'il prévoyait pour le grand amour de Jacques Cormery, le personnage. Et on a, euh, j'allais dire, le premier roman d'amour que Camus ait euh, écrit, puisque, on l'a dit, il n'y a pas tellement d'histoire d'amour dans ses romans. Et là, bien sûr, à l'état de fragments, mais quand même, des fragments qui quelquefois sont longuement rédigés, on a des choses tout à fait extraordinaires sur la souffrance amoureuse mais aussi sur le bonheur d'aimer. Alors le titre, le premier homme, ça n'est pas simple. Bien sûr, si l'on s'en réfère au texte, il s'agit d'abord de l'orphelin. Jacques Cormery, qui est donc le personnage du roman, je viendrai sur les rapports entre Jacques Cormery et Albert Camus, est lui aussi un orphelin, son père, et mort à la guerre. Et lui avait eu 16 ans, puis 20 ans, et personne ne lui avait parlé. Et il, a, il lui avait fallu apprendre seul, grandir seul, en force, en puissance, trouver seul sa morale et sa vérité, naître enfin comme homme, pour ensuite naître encore d'une naissance plus dure, celle qui consiste à naître aux autres, aux femmes comme tous les hommes nés dans ce pays. Euh, je vous le redirai à plusieurs reprises, euh, Camus euh, fait dans le premier homme des très très longues phrases, euh, comme s'il était en train de changer de style. Et à plusieurs reprises, et c'est le cas ici, vous l'avez peut-être senti, je ne savais pas où m'arrêter, c'est que c'était encore au milieu d'une phrase, mais les phrases elles peuvent avoir une page, une page et demie, donc quelquefois je suis obligé de les couper. Mais vous en sentirez le rythme quand vous lirez, euh, elles ne sont pas difficiles à lire on ne s'y perd pas parce qu'elles sont extrêmement construites euh, mais elles sont très longues donc à l'oral ça pose un problème alors pour lui euh, l'orphelin euh, et vous avez vu l'allusion à la terre hein, dans tous les hommes tous les hommes nés dans ce pays c'est à dire en algérie on est encore plus le premier homme en algérie parce que pour lui, ça se discute, bien sûr, mais je dis pour Camus, c'est une terre sans passé. Pourtant, il connaît très bien le passé de l'Algérie. Il a travaillé euh, pour, dans ses études sur des écrivains, des philosophes nés en Algérie. Mais il dit, c'est une terre où l'on détruit et on reconstruit sans cesse. Mais le titre va au-delà. Dans Les Carnets, en 1954, il écrit Roman le premier homme refait tout le parcours pour découvrir son secret il n'est pas le premier tout homme est le premier homme personne ne l'est c'est pourquoi il se jette aux pieds de sa mère nous reviendrons bien sûr sur la mère et dans dans un ouvrage qu'il ne publie pas mais qu'il avait euh, imaginé avec son grand ami rené char euh, et qui était des textes de lui camus sur des photos, euh, et René Char accompagnait tout cela et devait le publier avec un avant-propos. On a ce livre, il s'appelle La Postérité du Soleil. Il est magnifique. Euh, il y a les photos, il y a les textes de Camus et il y a l'avant-propos de René Char. Et les textes de Camus sont des textes très brefs, un peu comme des poèmes en prose. On a ceci des vieux troncs de saules jaillissent des gerbes de branches fraîches. C'est le premier jardin du monde. À chaque aurore, le premier homme. Alors vous voyez que euh, déjà ce titre, complètement polysémique, nous fait entrer dans la méditation. Nous avons deux parties. L'une qui s'intitule Recherche du Père. Celle-là est totalement rédigée, très travaillée, le manuscrit le montre. Il y a des repaginations des morceaux collés, etc. Une deuxième partie, le fils ou le premier homme. Cette partie est à peine ébauchée. Et nous savons qu'une troisième au moins était prévue, qui se serait intitulée la mère ou quelque chose d'approchant. Recherche du père, le fils, la mère. La mère qui est en même temps à l'origine du roman, puisque... Et dans le manuscrit, c'est extrêmement travaillé. Le texte est précédé de ceci, Intercesseur de point veuve Camus. Ce n'est pas une dédicace, encore que la dédicace est à côté, mais vous voyez un intercesseur. L'intercesseur, c'est l'intermédiaire. Vous voyez que ce terme a quelque chose de religieux. C'est l'intermédiaire entre qui et qui ici Il me semble que la, la seule interprétation possible, c'est intercesseur. Entre Camus et lui-même, ou entre Camus et sa vérité. Mais la dédicace est juste à côté, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. La mère de Camus était un alphabète. Comment aurait-il bâti son personnage Et c'est là tout le problème que le cinéaste a dû résoudre c'est que le personnage de Jacques Cormery, était en gestation dans l'imaginaire de Camus, et à partir de lui, mais pas seulement. Mais que nous ne savons pas comment cet homme que nous voyons à 40 ans partir à la recherche du père, comment est-il devenu cet homme de 40 ans, puisque dans la partie rédigée, nous le quittons à l'adolescence. Il a 17 ans, euh, il fait des études brillantes. Il vient pour la première fois d'embrasser une fille, il est gardien de but euh, dans l'équipe de foot de sa classe, et nous le quittons là. Comment ce jeune homme est-il devenu le euh, Jacques Cormery de 40 ans Avec en particulier cette question redoutable, à deux reprises, il dit, c'est moi le monstre. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi a-t-il cette impression de monstre et ça, nous ne le savons pas. Nous pouvons faire quelques hypothèses, mais euh, il, y a, il manque ce qu'est devenu Jacques Cormery entre 17 et 40 ans, ou plutôt comment il est devenu l'homme qu'il est et qui peut partir à la recherche du père, d'abord sans trop y croire, sur l'instigation de sa mère, et puis ensuite en étant pris totalement par cette recherche-là qui va le modifier complètement. Les neuf chemises qui étaient dans le dossier, éléments pour le premier homme, portent des titres intéressants éducation, guerre et résistance. Forcément, nous le quittons dans les années 20 et nous le retrouvons en 1953. Entre deux, il y a eu la guerre et la résistance. Jacques Cormery, aurait-il été résistant Aurait-il côtoyé des résistants On ne le sait pas. Et puis, euh, la mer, bien sûr. Et puis. Euh, Algérie, et puis après des noms de personnages. Qu'aurait-il gardé de tout cela On n'en sait rien. De la même manière que tous les textes qui sont donnés ici en annexe, nous ne pouvons pas savoir s'ils les auraient gardés. Il faut donc être extrêmement prudent quand on utilise ces textes. Aurait-il ou non fait partie de la, de, de, de la version définitive On ne peut absolument pas le savoir. Et le signe d'une hésitation même chez Camus, c'est que dans ses annexes, nous avons huit textes précédés du mot fin. Autrement dit, huit possibilités pour la fin de son roman, qui sont extrêmement différentes et qui impliquent forcément, euh, j'allais dire, des contenus différents. Il se peut aussi bien, certains le disent, que la première partie, que pour ma part, je pense... Euh, très abouti, euh, il l'aurait complètement remanié. C'est tout à fait possible. Euh, on l'a vu abandonner complètement euh, au tout début de sa carrière un roman déjà totalement écrit, euh, La mort heureuse. Euh, dans sa carrière, pour la peste par exemple, il a fait trois versions complètement. Il est évident qu'il pouvait très bien le reprendre complètement. Il n'empêche que nous avons cela et que c'est... Très extraordinaire. Dernière chose pour arriver vers le roman, c'est ce qu'à plusieurs reprises il dit comme ambition. Il voudrait écrire son guerre épée, comme Tolstoï. Et dans une des rares préfaces qu'il accepte de faire pour un de ses amis, Roger Martin Dugard, édition préface à ses œuvres complètes, il écrit ceci il y a de grandes chances en effet pour que l'ambition réelle de nos écrivains soit après avoir assimilé les possédés dostoïevski d'écrire un jour épée, tolstoy au bout d'une longue course à travers les guerres et les négations il garde l'espoir même s'il ne l'avoue pas de retrouver les secrets d'un art universel qui à force d'humilité et de maîtrise Ressusciterait enfin les personnages dans leur chair et leur durée. Il dit cela pour Martin Dugard, mais ça ressemble très fort à ce qu'il est en train de faire. Il va faire une adaptation des possédés et il est en train d'essayer d'écrire son guerre épée. Et je crois qu'on peut lire le premier homme comme cela. Alors, quand le livre est sorti, beaucoup ont salué. Une autobiographie de Camus. Et certes, dans ses carnets, il écrit, je vais parler de ce que j'aimais, ce CEUX, et de cela seulement, joie profonde. Donc, on peut se demander, s'il écrit son autobiographie, alors que lui, toujours, 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 parle de romans, que ce soit dans ses carnets, que ce soit dans les interviews, il dit toujours Je suis en train d'écrire un roman. Alors, bien sûr, il y a une dimension autobiographique. Si l'on veut absolument mettre des étiquettes, je dirais que l'on a ici un roman d'inspiration autobiographique. Pour ma part, je n'aime pas le terme qui a été très utilisé depuis une dizaine d'années d'autofiction. Je préfère dire tout simplement un roman d'inspiration autobiographique. Mais l'autobiographie est là et bien là. Camus sait qu'il est devenu capable de revenir à ses sources profondes. Dès 49, il expliquait dans un texte qui va devenir l'extraordinaire préface à l'envers et l'endroit. L'envers et l'endroit, c'est un recueil qu'il a écrit en 39. mais en 58 il accepte qu'il soit réédité et il le fait précéder d'une préface qui est une sorte de mise au point de ce qu'il est en tant qu'artiste. C'est un texte qu'on peut lire seul, en dehors même de l'envers et l'endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, on, le, on en trouve des bribes dans les carnets très longtemps à l'avance. Autrement dit, c'est un texte qu'il mûrit longtemps, cette espèce de profession de foi en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui m'a fait artiste Qu'est-ce que je suis en tant qu'artiste et qu'est-ce que je voudrais faire Et il dit dans ce texte que l'artiste doit absolument s'appuyer sur ses forces profondes, ses mouvements profonds, mais en même temps ne pas se laisser déborder. Et il dit ceci, et je le prends dans une version antérieure à la version finale de 58. Mes barrières aujourd'hui encore sont trop fortes, mais ce qu'elles avaient à contenir l'était aussi. Le jour où l'équilibre s'établira, ce jour-là, j'essaierai d'écrire l'œuvre dont je rêve. Elle ressemblera à l'envers et l'endroit, c'est-à-dire qu'une certaine forme d'amour y sera mon tuteur. Il me semble que je le peux. L'étendue de mes expériences, la connaissance de mon métier, ma violence et ma soumission, Point de suspension, il ne termine pas la phrase. Alors, le texte est beaucoup moins travaillé que la version définitive que vous pourrez aller lire dans l'envers et l'endroit, mais je trouve qu'à la fin, euh, la phrase qu'il ne termine pas est intéressante, étendue de mes expériences, la connaissance de mon métier. Et j'avais essayé de vous montrer il y a 15 jours combien l'exil et le royaume étaient une sorte de, euh, de gamme euh, qu'il faisait aussi par rapport à son métier pour s'assurer de sa maîtrise mais aussi ma violence et ma soumission. Euh, ma soumission, non pas au monde extérieur, ma soumission à la vérité profonde que je cherche. Bien sûr, Albert Camus et Jacques Cormery sont très proches. Bien sûr, Cormery, ce nom, c'est le nom de sa grand-mère paternelle. Grand-mère paternelle. Donc, vous voyez, il réunit des euh, différentes... Euh, Lignée. Bien sûr, il lui arrive dans ce premier jet de faire des lapsus sur les noms propres, c'est-à-dire de reprendre le nom de la personne réelle. Bien sûr, la première personne affleure une fois dans le texte et elle est constamment présente dans les annexes, au point qu'on a l'impression quelquefois que certaines phrases sont d'abord écrites à la première personne et ensuite à la troisième. Cela arrive dans les carnets où un même fait est raconté sur les deux modes. C'est-à-dire qu'il le rapporte comme son expérience et immédiatement il en fait une sorte de reprise sur le mode narratif, sur le mode romanesque. Et c'est encore plus net dans Éléments pour le premier homme, où euh, quelquefois c'est très directement, euh, les brouillons, les petits papiers, c'est directement euh, euh, en, en phase avec sa vie. Hein. Il écrit sur, euh, euh, sur bah, n'importe quel support. Et euh, la reprise arrive là où, dans les carnets, c'est-à-dire la mise en forme. Et puis, bien évidemment, les thèmes sont directement autobiographiques. C'est la même structure familiale, mais le frère disparaît, disparaît pas totalement. Il disparaît de la première partie, il est présent dans la seconde. Qu'est-ce que la version définitive aurait fait On ne le sait pas. Manifestement, même si on sait peu de choses de Jacques Cormery, on sait quand même que c'est un enfant de belle cour qui change de milieu grâce à ses études, qui vit en métropole et qui a réussi. L'homme de 40 ans que l'on voit dans le train de Saint-Brieuc est un homme manifestement qui a réussi. Et puis, il va sur la tombe du père à Saint-Brieuc et de fait, la tombe du père de Camus est à Saint-Brieuc. Il avait été blessé sur la Marne et Saint-Brieuc, vous voyez, était à, euh, une base arrière. Camus est allé en août 1947, pas en 1953, là encore, comme il dit dans les annexes que le livre sort de cette fracture du temps qu'opère chez Jacques Cormery, la découverte que son père est plus jeune que lui, c'est-à-dire qu'il est mort à 25 ans. Euh, donc, ce n'est pas exactement les mêmes dates et les changements de date sont extrêmement significatifs. On ne sait pas ce que Camus a, senti, a ressenti sur la tombe de son père. Il n'en a jamais parlé. Et ceux qui disent, voilà ce qui s'est passé pour Camus tel jour d'août quarante-sept, disent n'importe quoi. On ne sait rien. Il n'en a parlé nulle part et aucun de ceux avec qui il était, il est allé seul au cimetière. Mais bon, enfin, il était chez son ami Louis Guillou. Louis Guillou n'en a rien dit. Est-ce est que même il en a parlé En tout cas, cette prise de conscience extrêmement brutale qu'il prête à Jacques Cormery, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'est produite pour lui, mais ce qu'il dit, quand près de la tombe de son père, il sent le temps de dis, se disloquer, ce nouvel ordre du temps est celui du livre. Est-ce que pour Camus aussi, le livre, le premier homme, est né d'une telle fracture du temps euh, devant la tombe de son père, on ne le sait pas. C'est peut-être une invention romanesque, le livre est né de cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne se préoccupait pas de son père, mais ça veut dire que peut-être ça ne s'est pas passé comme cela. Mais que toute l'évolution, euh, son évolution à lui, Camus, par rapport à son père, il a voulu la traduire dans ce fait-là. Et je trouve que Gianni Amelio a eu mille fois raison le livre le film commence par la scène sur la tombe ce qui va encore dans le sens de l'autobiographie c'est ce frémissement lyrique sur lequel je reviendrai abondamment tout à l'heure qui parcourt tout le livre et qui nous fait sentir constamment à quel point il y a derrière cela une expérience heureuse ou malheureuse mais je vous l'ai dit, Camus parle toujours d'un roman. Dans les annexes, il écrit à plusieurs reprises :« Je veux écrire l'histoire de ». Il écrit l'histoire de d'un fils, d'une mère. Et il me semble que l'écriture romanesque correspond pour lui d'abord à une pudeur, pudeur personnelle, pudeur familiale. Certes, il a comme projet et il le dit de mille et une manières, j'en dis une, arracher cette famille pauvre au destin des pauvres qui est de disparaître de l'histoire sans laisser de traces. Et il ajoute, ils étaient et ils sont plus grands que moi. Mais arracher cette famille pauvre au destin des pauvres, vu sa pudeur, ça ne pouvait pas se faire en direct. Et par ailleurs, il me semble que le choix de l'écriture romanesque, avec le détour que cela implique, on ne dit pas je, on dit il, et puis il y a Jacques Cormery qu'il construit comme personnage, ce choix lui permet de consentir au lyrisme sans craindre de tomber dans le pathos. C'est-à-dire qu'en évoquant les bonheurs et les malheurs de sa propre enfance, le détour par le roman lui permet à la fois une liberté parce qu'il y a... Euh, ce détour. Donc, le lyrisme peut euh, à la fois affluer à l'intérieur de lui, la nostalgie, tout peut affluer à l'intérieur de lui, le détour par le roman permet que le pathos soit limité, permet l'espèce de tenue de l'écriture et en même temps de frémissement, qui, je trouve, est une réussite extraordinaire. Par ailleurs, il a envie d'écrire un roman. Si il est en train de concevoir comme on peut le penser le troisième cycle de son œuvre, après le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte, ce serait le cycle de l'amour, le cycle de la mesure tout à l'heure on a entendu qu'il disait que l'appui c'était l'amour ici dans chacun de ces cycles il y avait un roman le premier homme pourrait être le roman de ce troisième cycle. Mais je crois aussi que Camus ne veut pas s'astreindre à la linéarité de l'autobiographie, l'ellipse temporelle entre le premier et le deuxième chapitre, quarante ans après, ça lui permet de bien marquer qu'il n'est pas là pour raconter une histoire linéairement, mais pour raconter une quête. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui à quarante ans part à la recherche de son père et ce que cela provoque en lui. Ce qu'il veut faire, c'est donc raconter une quête, mais en partant à la recherche de son père, Jacques Cormery ne va pas simplement découvrir qui il est, mais il va surtout découvrir à travers son père la tribu, le terme est dans le texte, la tribu à laquelle son père appartient, et donc, tribu dans laquelle il se reconnaît celles qu'il n'appelle pas les pieds noirs, je rappelle que le mot n'existait pas encore quand Camus écrivait, mais que l'on pourrait appeler les petits blancs d'Algérie, c'est-à-dire ce milieu dans lequel il est né, le milieu de Bellecourt, le milieu dominant d'une très grande partie des Français d'Algérie, qui ne sont pas des grands colons, mais qui sont des petits artisans, des petits commerçants, euh, des, des gens du peuple dont, je l'ai peut-être déjà dit, euh, les, les historiens s'accordent à dire que leurs conditions de vie étaient souvent inférieures à celles des ouvriers de la métropole, même si leurs conditions de vie étaient majoritairement, très majoritairement supérieures à celles des Arabes. C'est euh, cette tribu-là, mais cette tribu qui euh, est enracinée en Algérie depuis 1848. La colonisation de l'Algérie commence en 1830, mais euh, la colonie de peuplement commence en 1848, euh, c'est cela qu euh, que Jacques Cormery va trouver. Autrement dit, vous voyez qu'il ne s'agit pas de raconter euh, ni l'autobiographie d'Albert Camus, ni seulement l'histoire de Jacques Cormery, mais de voir tout ce qu'il découvre à travers la quête de son père, et je répète qu'au point de départ, c'est sa mère qui lui a dit tu devrais quand même aller voir la tombe de ton père à Saint-Brieuc, et ça n'est pas venu d'un mouvement de lui. Et je trouve ça encore plus émouvant parce que tout change pour Jacques Cormery dans une quête qu'il n'a pas initiée de sa propre de son propre chef. Je pense enfin que Camus voulait écrire un roman parce qu'il sait très bien que on ne reconstitue ce qu'a été euh, la vie de quelqu'un, l'expérience de quelqu'un, son père, qu'avec aussi de l'imagination. Surtout quand il y a si peu de témoignages directs. Il ne sait pas grand-chose de son père, sa mère ne lui en dit pas grand-chose, ne se souvient plus, et il trouve très peu de témoins. Et donc, le reste, il fallait l'imaginer. Et. Je euh, n'ai pas le temps de développer comment il y a une scène extraordinaire où Jacques est dans l'avion, c'est le dernier euh, chapitre de la première partie, le 1-7 il est dans l'avion qui le ramène de Mondovi à Alger, pardon, et il euh, remet en place tout ce qu'il a appris en particulier il a vu un fermier qui a pas pu dire grand chose sur son père, mais euh, qui a pu lui dire, et j'en avais parlé ici, euh, la tradition de sa famille, ce qu'on lui a raconté de ses grands-parents et arrière-grands-parents jusqu'aux premiers arrivants de 48. Et Camus, euh, pardon, Jacques Cormery, remet tout cela en place, mais dans une espèce de semi-sommeil dans l'avion. Et à un moment donné, il y a cette phrase extraordinaire, il essaye de se représenter ce que lui a raconté le fermier. Euh, des premiers arrivants. Et il dit, il arrive à voir son père. Son père, dont il n'a pas de photo à ce moment-là, il l'a retrouvé, Camus a retrouvé la photo de son père très tard. Donc Jacques Cormery n'a jamais vu son père. Et il dit euh, que, en projetant dans son imagination tout ce qu'il a entendu comme témoignage véhiculé dans la famille du fermier Veillard, il se représente les scènes de 1848 et c'est dans cette imagination des arrivants de 1848 il dit là je vois mon père puisque euh, c'était les arrivants à mondovi et il dit mais mon père quand il est arrivé à mondovi le jour même de ma naissance puisque je suis né euh, pendant le déménagement de mes parents eh bien il était exactement comme eux et c'est donc en imaginant les migrants de 1848 qu'il arrive à voir son père. Ce que je veux dire ici, c'est que le travail de l'imagination dans le sens de se représenter des images, non pas dans le sens d'inventer des histoires impossibles, mais de se représenter des images à partir d'un récit, d'un récit de témoin, c'est un travail de l'imagination, c'est un travail proche euh, du travail de l'écriture romanesque. Et il me semble que euh, Camus veut. Euh, euh, montrer aussi cela et qu'il veut écrire un roman il y en aurait encore euh, un dernier euh, détail euh, la scène euh, à l'école où l'instituteur lit aux enfants euh, pendant toute l'année les croix de bois de dorgelès et euh, l'enfant à un moment donné il lève la tête de son livre et il voit le petit jacques cormery les yeux le, le visage ruisselant de larmes c'est un passage extrêmement émouvant. Et qui dit quoi Qui dit que, euh, mais ça, ça n'est jamais explicité, je vais lourdement expliciter, que pour l'enfant, euh, c'est le roman de Dorgelès qui lui dit la réalité de la mort de son père. Il n'y a pas de témoins directs, ils sont tous morts hein, euh, sur le front de la Marne, mais euh, le roman de Dorgelès... Euh, suscite les larmes. L'enfant ne dit rien, mais le, le passage est extrêmement fort. Ce visage ruisselant de larmes dit l'efficacité du roman. Hein, euh, les Croix de Bois, c'est un roman de Roland d'Orgelès sur la guerre 14, dit l'efficacité du roman pour rendre l'expérience directe. Approchons-nous encore un peu du livre. Vous allez me dire, vous nous parlez de plein de choses, mais je crois qu'on est dedans. Euh, Camus aussi a envie et c'est extrêmement émouvant de ce qu'il appelle création libre. En 1951, donc, un peu avant de commencer, il dit, il écrit dans ses carnets :« Terminer la première réaction, rédaction, pardon, de L'Homme révolté, avec ce livre s'achèvent les deux premiers cycles. 37 ans. Et maintenant, la création peut-elle être libre ?» une espèce d'impatience. Je, je devais faire ces deux cycles et maintenant j'ai envie d'écrire... Euh, allez, d'écrire pour moi. 53, publication d'Actuel 2, Actuel 1, 2 et 3, ce sont ces recueils d'articles. L'inventaire est terminé, le commentaire et la polémique, désormais la création. Euh, je crois que c'est très très important hein, de, de voir l'écriture du premier homme aussi comme... Euh, euh, quelque chose où Cam... enfin, un, un, un texte où Camus dit « ça y est, j'écris mon livre, le livre que je veux écrire ». Il ne renie pas les autres, pas du tout. Mais c'était une sorte d'itinéraire euh, qu'il avait prévu et qu'il voulait mener jusqu'au bout. Et là, on a l'impression qu'il s'empare enfin de quelque chose euh, euh, qui serait le début de son œuvre. Il dit à la fin de cette préface de « L'envers et l'endroit » en 58 que j'ai évoqué tout à l'heure… Euh, mon œuvre n'est pas encore commencée. C'est quand même étonnant. Il écrit 158. Et il écrit aussi dans ses carnets, Se libérer de tout souci d'art et de forme. Retrouver le contact direct, sans intermédiaire. Donc l'innocence. Pas simplement parce qu'il va parler d'un enfant et qu'il serait innocent, mais une sorte d'innocence de l'écriture. Ne pas se donner de règles. Euh, une espèce de liberté de l'artiste euh, qu'il veut exercer à plein. Et je trouve qu'on le sent dans cette autorisation qu'il se donne, hein, lui euh, qui a pratiqué la phrase très courte, hein, par exemple dans l'étranger, de pratiquer ces immenses périodes, mais qu'il adore chez Proust, hein, euh, mais qu'il ne pratiquait pas pour lui. Et là, il s'en donne la possibilité. On a donc un roman que je qualifierais aussi de poétique. Euh, parce qu'il y a une liberté, une inventivité de l'écriture, il y a des fins de chapitre extraordinaires de ce lyrisme condensé et frémissant, et je vais vous en lire quelques-unes quelques de ces fins de chapitre. Euh, et puis aussi parce que c'est un roman dominé par la nostalgie, même si elle ne s'exprime jamais en direct. Donc pour moi, on est aussi dans cette catégorie du roman poétique. Qui a été un courant très important de euh, la littérature française du XXe siècle. Alors, cette dimension lyrique, bien sûr, c'est le fait de repartir dans les souvenirs et la manière dont euh, Camus fait remonter les souvenirs dans la mémoire de Jacques Cormery, non pas linéairement, en disant bon, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé, mais Tel type de lumière, et ça ressemble beaucoup à du Proust, tel type de lumière, ça fait remonter l'image de la sieste. Vous voyez, c'est par des sensations du présent que le passé revient. Et comme chez Proust, une fois qu'on on a tiré un fil, on tire toute la bobine et c'est tout le passé qui revient. C'est la petite Madeleine de Proust on, qui donne tout le passé, toute l'enfance du narrateur. Alors, bien sûr, j'ai envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir peut-être aussi en lisant quelques pages où vous entendrez cette, cette espèce de, de, de souvenir intact de la saveur du moment qui revient dans l'écriture. Les exemples étaient multiples, mais par exemple le bain des enfants, la mer était douce, tiède, le soleil léger maintenant sur les têtes mouillées. Et la gloire de la lumière remplissait ces jeunes corps d'une joie qui les faisait crier sans arrêt. Ils régnaient sur la vie et sur la mer. Et ce que le monde peut donner de plus fastueux, ils le recevaient et en usaient sans mesure, comme des seigneurs, assurés de leur richesse irremplaçable. On a aussi... Euh, Camus n'est pas en Algérie. Il écrit de métropole, même s'il si va... Il est allé en Algérie début 58. Euh, mais on voit, on voit avec quelle tendresse il restitue la topographie de l'Alger de son enfance, à travers les trajets de l'enfant, euh, trajets d'autobus, euh, descente vers la mer, euh, le jardin d'essai. Et l'on euh, voit cette euh, écriture de la nostalgie rien que dans la manière de ressusciter des lieux, telle fontaine au, au carrefour d'une route. Ressusciter aussi des saveurs, on a des odeurs, on a des goûts, des goûts, hein, des, goûts de, des gâteaux, des, de ce que l'on mangeait, de ce que l'on mangeait quand on partait à la chasse avec l'oncle, de ce que l'on mangeait au fêtes. On a des beignets qui se vendent le long de la rue quand on revient euh, du lycée. Des, des saveurs extrêmement simples et on voit Camus écrire. Et quelquefois dans la marge, euh, qu'il faut qu'il euh, qu retrouve exactement le nom de tel euh, ou de tel gâteau euh, que l'on mangeait à telle période. Et euh, c'est d'une justesse, m'ont dit des amis Pieds-Noirs, euh, d'une justesse totale, euh, on retrouve toutes ces saveurs-là. Euh, on retrouve des joies toutes simples. Hein, euh, je disais tout à l'heure le, le pique-nique de chasse, mais toute la scène de la chasse avec l'oncle, la journée de chasse avec l'oncle Étienne, c'est une petite merveille d'évocation, de, euh, de, mais au sens très fort, hein, de rendre présent euh, des joies extrêmement simples de l'enfance, c'est absolument touchant. Et il y a une manière de mettre en avant, par des gestes tout simples, euh, la tendresse. Que l'enfant Jacques Cormery a rencontré et la tendresse qu'il a en retour. Et je vais euh, évoquer trois personnages. L'oncle d'abord, parce que je crois qu'il est important, l'oncle Étienne. C'est la fin de la journée de la chasse. Plus tard, à la gare, pressés de rentrer et de manger pour se coucher tôt à cause du travail du lendemain, ils se séparaient rapidement dans l'ombre, presque sans parole, mais avec de grandes tables d'amitié. Jacques les entendait s'éloigner. Il écoutait leur voix rude et chaleureuse. Il les aimait. Puis il empruntait le pas d'Ernest. Excusez-moi, je frappe. L'oncle s'appelle soit Étienne, soit Ernest. Puis il empruntait le pas d'Ernest, toujours vaillant, alors que lui traînait la jambe. Près de la maison, dans la rue obscure, l'oncle se retournait vers lui. Tu es content Jacques ne répondait pas. Ernest riait et sifflait son chien. Mais quelques pas plus loin, l'enfant glissait sa petite main dans la main dure et calleuse de son oncle qui la serrait très fort et il rentrait ainsi en silence. Voyez, une scène très très, très simple euh, qui dit beaucoup, je trouve. Bien sûr, il y a aussi toutes les scènes très très étonnantes euh, avec la mer, hein, toute cette tendresse, même si c'est une tendresse muette de la mer. Euh, Peut-être, à la différence de l'envers et l'endroit. Je rappelle, hein, 39, il y a 20 ans entre les deux, où il y avait une insistance sur l'apparente indifférence de la mère et l'espèce de mystère euh, étrange qu'elle représentait pour l'enfant. Cette étrangeté euh, est encore présente, mais elle est euh, contrebalancée beaucoup plus par euh, de, la, de la tendresse. Et là, on va avoir le. Euh, euh, la superposition de la tendresse de l'enfant et de celle de l'adulte pour cette même mère. Là, il s'agit de l'adulte. Quand il arrivait devant la porte, sa mère l'ouvrait et se jetait dans ses bras. Et là, comme chaque fois qu'il se retrouvait, elle l'embrassait deux ou trois fois, le serrant contre elle de toutes ses forces. Et il sentait contre ses bras les côtes, les os durs et saillants, des épaules un peu tremblantes, tandis qu'il respirait la douce odeur de sa peau qui lui rappelait cet endroit sous la pomme d'Adam entre les deux tendons jugulaires qu'il n'osait plus embrasser chez elle mais qu'il aimait respirer et caresser étant enfant et les rares fois où elle le prenait sur ses genoux et où il faisait semblant de s'endormir le nez dans ce petit creux qui avait pour lui l'odeur trop rare dans sa vie d'enfant de la tendresse et j'aime beaucoup cette superposition de la tendresse de l'adulte et de la tendresse de l'enfant et puis Bien sûr, je dis bien sûr parce que je crois que c'est un des passages qui a le plus bouleversé les lecteurs, euh, c'est l'immense tendresse de l'enfant pour son instituteur, euh, M. Bernard, euh, qui a été pour lui un père. Et ici, euh, je vais vous lire une fin de chapitre où vous verrez euh, cette, euh, cette beauté des fins de chapitre. C'est la fin... Euh, du long épisode où l'instituteur a insisté auprès de la mère et de la grand-mère pour que l'enfant passe le concours des bourses. Et il fallait insister parce que même si le lycée ne coûtait rien à cause des bourses, euh, l'enfant ne pouvait pas gagner de l'argent pour la maison. Donc la grand-mère ne voulait pas. L'instituteur a obtenu l'autorisation à préparer Jacques avec ses camarades, avec trois camarades, au concours des bourses. Et il a eu ce concours. Ça veut dire qu'il va aller au lycée. Et euh, M. Bernard, c'est ainsi qu'il s'appelle dans le livre, c'est Louis-Germain, par ailleurs, euh, est venu euh, chez, avec Jacques chez lui. La grand-mère parle. Merci, M. Bernard, merci, disait-elle, pendant que M. Bernard caressait la tête de l'enfant. Tu n'as plus besoin de moi, disait-il. Tu auras des maîtres plus savants. Mais tu sais où je suis, viens me voir si tu as besoin que je t'aide. Il partait, et Jacques restait seul, perdu au milieu de ses femmes. Puis il se précipitait à la fenêtre, regardant son maître qui le saluait une dernière fois et qui le laissait désormais seul. Et au lieu de la joie du succès, une immense peine d'enfant lui tordait le cœur, comme s'il savait d'avance qu'il venait par ce succès d'être arraché au monde innocent et chaleureux des pauvres. Monde refermé sur lui-même comme une île dans la société, mais où la misère tient lieu de famille et de solidarité, pour être jeté dans un monde inconnu qui n'était plus le sien, où il ne pouvait croire que les maîtres fussent plus savants que celui-là dont le cœur savait tout, et il devrait désormais apprendre, comprendre sans aide, devenir un homme enfin sans le secours du seul homme qui lui avait porté secours, grandir et s'élever seul enfin au prix le plus cher. Vous voyez cette, cette, ce désespoir de, de l'enfant qui dit cette immense tendresse. Et vous voyez euh, ce, ce, ce frémissement que l'on sent. Euh, J'ai eu la chance de lire toute la correspondance de Camus avec son instituteur Louis Germain. Euh, et c'est Louis Germain qui, après la guerre, prend l'initiative d'écrire. Euh, à Camus, sa première lettre est étonnante. Mon cher petit, euh, tu vas t'étonner que quelqu'un ose utiliser, euh, parce que, euh, il sait que Camus n'a plus eu de nouvelles de lui depuis, euh, depuis longtemps, ne, a, perdu, a perdu le contact, et puis il se, il se revoit, et la, la correspondance va durer jusqu'à la mort de Camus. Et souvent, on a parlé de la lettre que Camus écrit à son instituteur et la réponse de celui-ci au moment du prix Nobel, mais je trouve que c'est encore plus émouvant de savoir que cette correspondance durait et euh, cette euh, impression d'arrachement euh, par rapport à une figure qui a été celle du père, euh, on la retrouve dans les lettres que Camus écrit à Louis-Germain, mais vous voyez comment l'écriture euh, euh, reprend en une scène euh, tout un contenu et arrive à dire euh, à la fois le, le bonheur et, euh, et le deuil puisque euh, il s'en va et, et je trouve que quand on regarde une correspondance et qu'ensuite on voit ce que cela donne dans un roman euh, d'inspiration autobiographique on s'aperçoit qu'elle est la magie de l'écriture en, en condensation je dirais que là c'est évident l'écriture enchante non raconte rien de faux mais enchante le réel et aussi l'écriture nous le donne à nous euh, pourris Projeter aussi nos propres expériences, euh, ici vous voyez, d'adoption euh, spirituelle et, et de séparation. J'avais déjà dit, donc je vais passer vite, à quel point euh, la guerre d'Algérie est présente dans le premier homme. Je rappelle simplement l'essentiel de ce que j'avais dit euh, dans la deuxième de ces quatre conférences, à savoir que le premier homme, c'est aussi pour Camus, à un moment où ses autres modes de parole sur l'Algérie sont devenus inaudibles, un moyen de redire ce que Chronique euh, algérienne, publiée en juin 1958, disait déjà, à savoir, euh, oui, le système colonial doit arrêter, mais pour qu'on invente une Algérie autre et une Algérie plurielle, une Algérie de fraternité dans le respect de tous et en particulier la coexistence de deux communautés qui, toutes les deux, sont enracinées dans cette terre d'algérie. le premier homme redit cela de beaucoup de manières, à la fois en montrant que ce rêve est peut-être d'une algérie plurielle et peut-être déjà devenu impossible dans cette algérie où jacques cormery mène sa quête, mais en même temps en montrant que euh, cette tribu dont euh, Cormery se, se perçoit complètement partie prenante, cette tribu est enracinée en Algérie. Et je crois que je vous l'avais dit, euh, le premier chapitre où ce petit enfant européen naît entre euh, des, des hommes et des femmes à la fois arabes et européens, tous attendant cet enfant, euh, euh, soit dehors, soit dedans, les hommes ou les femmes, euh, c'est une sorte de réalisation, mais vous voyez, dans, un, dans le passé, de ce rêve que Camus est peut-être déjà euh, devenu impossible. Mais je voudrais insister ici sur une autre dimension de nature politique aussi qui est dans ce roman. C'est que euh, à travers la recherche du père, en remontant dans le passé, je vous ai dit jusqu'au XIXe siècle, Jacques Cormery traverse forcément euh, toute l'histoire. Il y a l'émigration de 48 de France et d'Espagne vers l'Algérie, celle de 71. il y a la guerre du Maroc de 1905, le père de Cormery a fait cette guerre, il y a la Première Guerre mondiale, celle où il meurt, et puis il y a la guerre d'Algérie. Et il me semble que, euh, à travers euh, cette euh, traversée du siècle au sens large, le roman nous dit que l'histoire, avec un grand H, broie les êtres. Et c'est très net à propos euh, du récit de l'annonce de la mort de euh, Lucien Cormery à sa femme. Mmh. Votre mari est mort pour la France. Nous sommes fiers de lui. Et puis les deux femmes étaient en train d'éplucher les haricots ou de trier les haricots. Et puis voilà. Euh, et puis après, on lui envoie le petit bout d'obus qui a percé la tête de son mari. Et puis c'est tout. Et puis dit la, une très belle phrase, mais c'est une autre que j'ai choisie. Il y avait comme ça des centaines de milliers d'orphelins euh, qui étaient euh, qui arrivaient là comme ça. Mais je voulais, pour vous montrer combien l'histoire broie les êtres, j'ai choisi plutôt une immense phrase de la fin de la première partie, où il pense à tous ceux qui sont morts. Oui, comme ils étaient morts, comme ils mourraient encore. Silencieuse et détournée de tout, comme était mort son père, dans une incompréhensible tragédie, loin de sa patrie de chair, après une vie tout entière involontaire depuis l'orphelinat jusqu'à l'hôpital, en passant par le mariage inévitable, une vie qui s'était construite autour de lui, malgré lui, jusqu'à ce que la guerre le tue et l'enterre, à jamais désormais inconnu des siens et de son fils, rendu lui aussi à l'immense oubli qui était la patrie définitive des hommes de sa race, le lieu d'aboutissement d'une vie commencée sans racines, et tant de mémoire dans les bibliothèques de l'époque pour utiliser les enfants trouvés à la colonisation de ce pays, oui, tous ici, enfants trouvés et perdus, qui bâtissaient de fugitives cités pour mourir ensuite à jamais, en eux-mêmes et dans les autres. Comme si l'histoire des hommes, cette histoire qui n'avait pas cessé de cheminer sur l'une de ces plus vieilles terres, en y laissant si peu de traces, s'évaporait sous le soleil incessant, avec le souvenir de ceux qui l'avaient vraiment faite, réduite à des crises de violence et de meurtre, des flambées de haine, des torrents de sang vite gonflés, vite asséchés comme les ouettes du pays. La nuit maintenant montait du sol elle-même et commençait de tout noyer, morts et vivants, sous le merveilleux ciel toujours présent. Non, il ne connaîtrait jamais son père, qui continuerait de dormir là-bas, le visage perdu à jamais dans la cendre. Il y avait un mystère chez cet homme, un mystère qu'il avait voulu percer. Mais finalement, il n'y avait que le mystère de la pauvreté qui fait les êtres sans nom et sans passé, qui les fait rentrer dans l'immense cohue des morts sans nom qui ont fait le monde en se défaisant pour toujours. Alors vous voyez, euh, je, je trouve que des, des phrases comme celle-là, c'est des, 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 des odes extraordinaires, et il y en a plusieurs aux anonymes de l'histoire. Mais vous voyez, ils ont fait l'histoire en se défaisant pour toujours et ils sont maintenant les anonymes. Les, les pierres sont effacées dans le cimetière, on ne sait plus leur nom et c'est à cela, euh, les muets, que euh, Camus veut euh, consacrer son livre pour les faire revivre. Parce que le euh, Premier Homme, c'est un grand roman de l'exil. D'abord, je le répète, il est écrit par quelqu'un qui se sent exilé quand il n'est plus en Algérie. Mais différents exils se superposent. Les migrants qui sont venus de Paris à Mondovi en 1948, le père de Cormery qui arrive aussi à Mondovi en 1913, et puis, parce qu'on les voit déjà dans le livre, les exilés... Dans l'autre sens, ceux qui commencent à quitter l'Algérie et à rentrer en France, on en voit plusieurs dans le roman, dans les années 50. Tout est centré sur cette route de Beaune à Mondovi, où il y a sans arrêt des exilés qui sont dans un sens ou dans l'autre. Camus avait pensé intituler son roman à un moment donné Les Nomades, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de terre ou non plus de terre. Il dit donc l'oubli. Mais en disant l'oubli, le livre, le premier homme, devient l'unique patrie de tous ces exilés, passés, présents et futurs. Si leur patrie c'est l'oubli, le livre qui dit que leur patrie est l'oubli devient leur patrie. À la dimension lyrique et à la dimension euh, politique s'ajoute bien sûr une dimension morale. Mais je la rappelle ici simplement parce que je crois que je l'ai déjà abordée. Cette dimension morale est contenue dans la quête de euh, Jacques Cormery. Qui suis-je hein Cet homme de 40 ans, qui suis-je Il y est euh, contraint parce que rechercher le père, c'est finalement s'interroger sur soi, s'interroger sur les ruptures qu'il a faites, sur ce qu'il a fui. En allant faire une belle carrière en métropole, il a fui, dit-il, la vie ignorante, obstinée, humble, incarnée par sa mère. Et c'est peut-être cela qui fait de lui un monstre, c'est qu'il a fui quelque chose qui était peut-être une vérité. Mais en même temps, le chemin qu'il fait le mènera forcément, mais qu'est-ce que Camus aurait écrit de cela, vers la question, et maintenant Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Au-delà de ça, il est évident que nous sommes tous invités en lisant ce livre à nous poser la question, nous sommes tous premier homme, première femme, c'est-à-dire que nous avons tous à inventer notre manière d'être au monde et à poser des choix qui définissent cette manière d'être au monde. Et je pense que cette dimension morale, je devrais dire plutôt dimension éthique, est tout à fait euh, capitale. Peut-être aurait-elle été aurait-elle été plus manifeste encore dans le roman euh, terminé Mais il me semble que le titre nous oblige à, euh, à avoir cette question en tête, et nous, en tant que premier homme. Et puis, vous l'avez senti, je suis très fasciné par la dimension mythique de ce roman. Je veux dire, ce roman baigne dans le mythe. Je vous avais dit les nomades. Le mythe de Cain et Abel est constamment présent parce que pour Camus, euh, la guerre euh, en Algérie, c'est la guerre de deux frères, de deux peuples frères euh, qui s'entretuent. Et puis il y a, à l'évidence, euh, dans cette troisième partie qu'il envisageait autour de la mer, une sorte de dimension mythique qu'il allait donner à la mer. Je vous lirai simplement un passage. Alors, il est dans les annexes. Hein. Qu'en aurait-il fait Maman, point. Ce qui dure dans l'histoire des hommes, ce qu'elle est, la mère chinoise l'est, la mère du Moyen-Âge, celle d'hier, celle de demain. Elle vit de quoi tout le monde a pu vivre et de rien de plus. C'est nous, c'est moi, qui sommes ce qui passe et périt, le superflu, les modes de pensée, les passions historiques, l'élan qui meurt. Elle, elle attend, souffre et sourit depuis des siècles. Et puis enfin, il me semble qu'avec la phrase d'ouverture, Camus a voulu baigner ce roman dans une dimension cosmique. Je vais simplement vous la lire, ça commence comme ça le roman. Au-dessus de la carriole qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient vers l'est dans le crépuscule. Trois jours auparavant, il s'était gonflé au-dessus de l'Atlantique, avait attendu le vent d'ouest puis s'était ébranlé lentement d'abord et de plus en plus vite, avait survolé les eaux phosphorescentes de l'automne, droit vers le continent, s'était effiloché aux crêtes marocaines, reformé en troupeaux sur les hauts plateaux d'Algérie, et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayait de gagner la mer tyrrhénienne pour s'y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-dessus de cette sorte d'île immense, défendue par la mer mouvante au nord et au sud, par les flots figés des sables, Passant sur ce pays sans nom à peine plus vite que ne l'avaient fait, fait pendant des millénaires les empires et les peuples, leur élan s'exténuait et certains fondaient déjà en grosses et rares gouttes de pluie qui commençaient de résonner sur la capote de toile au-dessus des quatre voyageurs. Vous voyez, on part d'une carriole sur une route, on a tout l'espace avec le vent. Alors j'ai dit cosmique, ce serait peut-être géologique. Et puis on revient à la carriole. l'histoire des hommes, l'histoire d'un petit enfant qui va naître s'inscrit dans cette dimension cosmique et à quelques moments comme ça dans le roman, cette dimension revient et présente et du coup ce, cette histoire et vous voyez que nous sommes loin d'une autobiographie, cette histoire baigne dans quelque chose de beaucoup plus vaste dans le temps et dans l'espace. Vous l'avez compris, Le Premier Homme, c'est une œuvre symphonie, et en même temps, c'est une œuvre toute proche, qui nous parle de nous, qui nous parle à nous. C'est peut-être le meilleur accès maintenant à l'œuvre de Camus. Je vous remercie. Euh, Madame Spickel, en, en prolongation à votre exposé, il se prépare une commémoration Albert Camus à Aix-en-Provence à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous y participerez ou nous donner d'autres informations sur cet événement Alors euh, oui, euh, il se passe plein de choses à Aix sur Camus. Euh, D'ores et déjà, il y a au centre Albert Camus de la Cité du Livre une exposition sur euh, les formes courtes, essais nouvelles chez Camus. Cet été, il y aura... Toujours à la cité du livre, une exposition sur Camus et les couleurs. Et puis ce qui devait être la grande exposition, qui a donc été soumise à un certain nombre d'aléas, va devenir quelque chose qui va s'appeler une exposition parcours, euh, dont le titre sera, allez, c'est presque sûr, mais j'y pars demain, on a une réunion, euh, ⁇ Itinéraire d'un citoyen du monde ⁇ Albert Camus, itinéraire d'un citoyen du monde. Ce ne sera pas une exposition classique, ce sera euh, une sorte de parcours qui essaiera, autour de notions euh, importantes et de réalités importantes pour Camus, de euh, faire sentir ce qu'a été son expérience du monde, tout en présentant bien sûr aussi des, des, des documents, des manuscrits. Et cette exposition n'a pas de commissaire. Avec des noms célèbres, elle est présentée par la directrice. Bon, d'abord, elle est euh, labellisée Marseille 2013. Elle est euh, soutenue par la municipalité d'Aix, mais elle est proposée par le Centre Albert Camus, soutenue par quatre chercheurs dont je suis. Et l'exposition commence le 4 octobre et durera sans doute jusqu'au 5 janvier 2014, avec quelques temps forts, euh, en particulier. L'inauguration, euh, certainement une journée particulière euh, le 9 novembre, le jour de la ou le 7 pardon, de la naissance de Camus, et puis un gros week-end phare euh, le 14-15 décembre, je crois. Mais tout cela vous le trouvez sur le site. Euh, vous tapez Centre Albert Camus, vous tapez cité du livre comme vous voulez, et vous trouvez tout cela. Alors ce n'est pas du tout ce qui était prévu au point de départ, mais je pense que ça sera une belle manière d'honorer Camus par ailleurs. Dans le cadre de Marseille 2013, il y a beaucoup d'autres choses et de belles choses. Je n'ai pas encore vu, mais il paraît que le spectacle d'Abdel Malik, ce rappeur, euh, slammeur, euh, à partir de l'envers et l'endroit, est très beau. Euh, il va passer, euh, il va faire toute une tournée ensuite. Alors, je me suis informé sur la banlieue parisienne, excusez-moi, mais je suis persuadé qu'il doit passer pas loin parce qu'il fait une grosse tournée. Je crois que ce sera quelque chose de très beau. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un comme Abdel Malik euh, s'empare se, d'une œuvre de Camus. Euh, qu'il connaît très très bien et qu'il qu aime beaucoup, ça me paraît vraiment très 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 intéressant. Voilà ce que je peux dire sur X. Camus et Céline, pour des raisons différentes, ont été très marqués par la guerre puisque Camus a perdu son père à la guerre et Céline a été blessé lui-même à la guerre. Vous savez tous que la France est en guerre au Mali depuis quelque temps. Et quand je lis la presse d'aujourd'hui, où je lis le chef de l'État prend une stature d'homme d'État en faisant la guerre, quand je lis que les sondages remontent pour le gouvernement, je me disais si Céline et Camus lisaient la presse d'aujourd'hui, ils diraient on n'en sortira jamais. Je ne sais pas ce que Camus dirait, mais je pense que il... Je dirais peut-être qu'il sur, qu rappellerait surtout euh, les, les principes intangibles. Hein. Sauvons les corps, sauvons les hommes, épargnons les civils, euh, disons la vérité. Et puis qu'après ça, effectivement, euh, la politique politicienne, à savoir les bonnes retombées euh, des, de la politique extérieure, euh, euh, bon, voilà, ainsi va le monde. Mais je pense que nous manquons, et là je suis d'accord avec vous, de grandes voix qui rappellent euh, les choses de fond. Je dis choses parce que je, le mot de valeur a été trop galvaudé. Euh, je crois que c'est important, mais ces choses de fond, on peut les retrouver dans les textes. Donc euh, les textes parlent encore. Donc je ne sais pas ce qu'ils auraient dit ou ce que Camus aurait dit, mais en tout cas, ça leur voix parle encore c'est ce que je veux dire tout simplement oui euh, vous, vous, si j'ai bien compris vous nous avez dit que une partie qui était un peu plus euh, sur la notion d'amour avec les femmes était prévue dans ce roman mais n'était pas si j'ai bien compris n'était pas intégrée ça aurait été l'amour de la vie de Jacques Cormery vous l'avez appelé Vera ou un autre prénom. Euh, je voulais vous demander, comment expliquez-vous que euh, Camus, qui a eu tant d'aventures avec des femmes, qui avait un tel goût des femmes, ait si peu parlé de son amour pour les femmes Est-ce que c'est une notion en même temps de culpabilité vis-à-vis -vis de cela ou est-ce autre chose Alors, il me semble d'abord qu'il y a cette pudeur dont je parlais, Camus est quelqu'un qui déteste s'étaler. Euh, même dans ses carnets, il parle très peu de sa, de sa vie personnelle, de sa vie intime. Euh, cela dit, manifestement, il y aurait eu une ou plusieurs grandes histoires d'amour dans le premier homme, si l'on en juge par les brouillons. Avec, je le crois, vu qu'il y avait deux personnages antithétiques, d'un côté Marie et de l'autre côté celle dont je ne sais pas s'il l'aurait appelé finalement Jessica ou Vera. Il hésite encore entre les deux noms, il a écrit les deux sur la chemise. Euh, manifestement, il y en a une qui aurait été l'épouse et l'autre le grand amour, euh, ou en tout cas euh, deux femmes aimées. Euh, donc Camus aurait transposé, euh, non pas l'ensemble des problèmes sentimentaux que lui posait sa propre conduite, il l'aurait transposé pour une bonne part dans euh, un moment ou un autre de la, euh, du premier homme. Et déjà, dans la dernière page, on voit apparaître rapidement la figure euh, de cette femme aimée et présentée comme telle. Je ne sais pas si vous le connaissez ce texte, mais c'est vraiment la, la dernière page euh, d'une femme ardemment aimée. Euh, je pense que Camus aurait créé cette, ce grand amour de Cormery, non pas à partir d'un visage, mais à partir de beaucoup... Il aurait bâti un type euh, de femme. Euh, mais le roman, l'écriture, pour lui, ne sont pas les lieux où l'on raconte ses petites histoires euh, comme euh, certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui, à savoir, je prends ma dernière aventure sentimentale que le tout Paris ou plutôt le tout petit Paris connaît et j'en fais euh, un roman à succès. C'est pas son genre, mais euh, il n'aurait, je crois, pas évacué cette idée de culpabilité que l'on trouve par ailleurs, par moment, dans ses carnets et en tout cas dans les euh, fragments qui sont dans cette chemise le bûcher. Hein, le bûcher, c'est le bûcher de la flamme amoureuse, à la fois en positif et en négatif. Euh, il y a des, euh, de longues réflexions sur la souffrance que l'on éprouve et sur la souffrance que l'on inflige à l'autre. Euh, donc je pense que ça aurait été euh, un thème important à un moment donné, la souffrance euh, subie et la souffrance infligée à travers l'amour le feu qui nourrit et le feu qui brûle. Voilà. Oui, dans, dans, son, dans le livre, euh, pas très souvent d'ailleurs, enfin euh, moi j je me souviens de trois ou quatre euh, scènes où il parle de la relation qui peut y avoir, ou de l'absence de relation plus exactement, m'a-t-il semblé, entre les deux communautés. Euh, par exemple quand euh, je crois le, euh, il, il va dans, dans la ferme, euh, il parle des Arabes qui les regardent. Mais sans, euh, comment dire, de façon totalement indifférente, comme s'ils n'existaient pas. Enfin, ça les intéressait pas. Il y a une autre scène aussi d'une d'une bagarre où le, le comportement des de la partie arabe par rapport à la partie européenne est totalement totalement différent. Et puis, à d'autres moments, quand ils se trouvent en, en contact avec des euh, des Arabes, euh, on a vraiment le sentiment que ce sont deux mondes qui, ne se, côtoient, enfin qui se côtoient, mais sans, sans relation véritable. Est-ce que c'est pas déjà qu'il avait l'impression que la présence française en Algérie n'était plus, euh, plus possible, n'était plus d'actualité Alors, il me semble qu'il faut distinguer deux choses. Quand. Euh Camus essaye de décrire l'expérience de Jacques Cormery enfant ou jeune euh, il décrit effectivement une coexistence euh, parfois tendue mais il dit aussi euh, on pouvait être copains dans, euh, dans la journée mais on vivait euh, dans des maisons séparées avec l'idée aussi d'une euh, de zone de tension hein. euh, et puis il faut le distinguer euh, parce qu'il y a 30 ans et euh, L'approche ou l'éclatement de la guerre, euh, est-ce que tous situés en 53 Je ne sais pas. Euh, de Cormerie adulte. Et la scène que lui décrit le fermier veillard, euh, je ne pense pas que les ouvriers arabes du vieil homme, euh, et là manifestement c'est un colon riche, il avait des grosses vignes, enfin des, gros, des grandes terres, et il arrache les vignes avant de partir, non pas en disant je ne laisserai rien derrière moi, mais en disant, puisque vous nous dites, euh, et il parle aux indépendantistes que ici nous avons fait un crime et euh, eh bien j'efface les traces de ce crime euh, les ouvriers regardent les ouvriers arabes qui travaillaient donc dans cette grande ferme euh, regardent non pas indifférents, mais je pense euh, euh, rien ne dit ce qu'ils pensent mais en tout cas c'est pas de l'indifférence euh, ils sont euh, étonnés sidérés peut-être même parce que ça s'est avéré euh, euh, dans, 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 dans la douleur de voir ce désespoir de cet homme qui va s'en aller, parce que il est avéré que dans les campagnes les relations étaient dans, dans, très différentes dans, dans ville de, de la ville, et que euh, il y avait des endroits. Euh, ça se voit par exemple dans le roman que j'aime beaucoup, le, le Maboul de Pélégri, donc un roman d'un Algérien. Euh, il décrit qu'il y avait des zones de même parmi entre les, les propriétaires terriens et leurs ouvriers arabes, euh, des zones de, de compréhension et quelquefois de proximité. Alors en même temps, hein, et le Maboul de Pellegrin, c'est un roman extraordinaire, Jean Pellegrin, euh, qui, euh, qui qui montre bien cela. Hein. C'est-à-dire que à la fois il y a, ben, on va vers la guerre, hein, euh, mais en même temps il y a des zones de euh, de partage, de complicité, euh, et, et je crois que les relations entre les deux communautés devaient être d'une, c'est du moins ce que me disent les gens qui y ont vécu, euh, d'une extraordinaire complexité et d'une très grande diversité, et qu'on ne peut absolument pas euh, les réduire à un type de, euh, de, de rapport. Maintenant, ça, ce sont les rapports humains. Euh, quand la guerre commence, et ça monte le sentiment nationaliste avec la revendication d'indépendance, commence bien avant. Euh, il est évident que euh, l'idée que la coexistence euh, entre ces deux communautés ne sera pas possible euh, après, après la fin de cette guerre, euh, elle est de plus en plus nette. Je lisais un document qui a été écrit pendant la guerre, où euh, des groupes de réflexion avec des Français et des Arabes euh, se, mènent, se réunissent très longtemps, jusque 56, 57, 58 avec toujours la question lancinante, bon, un jour cette guerre, elle s'arrêtera, qu quel sera notre sort à nous, les Français Et les, alors ce qu'on appelait à ce moment-là les musulmans, en disant, mais vous aurez votre place dans l'Algérie nouvelle, vous aurez votre place dans l'Algérie indépendante. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui y ont cru, et que c'est les extrémismes des deux côtés, et là j'y tiens beaucoup, l'extrémisme de l'OAS et du FLN qui ont rendu impossible euh, le, le maintien, encore que. Il y a 200 000 Européens qui sont restés, malgré les menaces des deux côtés. S'il n'y avait pas eu l'OAS, je pense qu'il y en a moins de Français qui seraient partis. Et s'il n'y avait pas eu le FLN, je pense qu'il y aurait eu moins de règlements de compte. Mais ça, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que très tard, euh, jusque très tard dans l'histoire, des gens ont cru, ont souhaité, ont espéré une Algérie plurielle, bien sûr, dans autre chose que le système colonial, c'est-à-dire dans l'égalité, mais avec une coexistence possible. Et ça, Camus le rêvait, je crois qu'en 58, il se disait que c'était peut-être trop tard, parce qu'il y avait eu trop de... Le fossé était trop grand. Voilà. Euh, S'il n'y a plus de questions, on va remercier et applaudir encore Agnès Piccole.